confie toi des jours de repos pour les sanctifier, mon cher ami. Tu feras tous tes boulots les six jours, mais septième jour c'est repos. Car Dieu a créé les cieux et la terre, tout ce qui y contient dans six jours. Souviens-toi du jour des repos pour les sanctifier, mon cher ami. Tu feras tous tes boulots les six jours, mais septième jour, attention. Car Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui y contient dans six jours. Le sabbat fit venir, il s'est mis à saigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'attendent, très étonnés, disent où vient cet homme. Sage, rempli de miracles, c'est dommage, le petit charpentier. Voilà le fils de Marie. Sage, rempli de miracles, c'est dommage. Se rend à Nazareth avec les versets nous accoutis. Il entra dans la synagogue, il s'éleva pour faire la lecture. Il lisa la prophétie d'Esaïe. C'était le jour du sabbat. Il entra dans la synagogue, il s'éleva pour faire la lecture. Il lisa ami. Tu feras tous tes boulots les six jours, mais septième jour c'est repos. Car Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui y contient dans six jours. Souviens-toi des jours de repos pour les sanctifier, mon cher ami. Tu feras tous tes boulots les six jours, mais septième jour, attention. Car Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui y contient dans six jours. Si j'ai jamais de l'étiré, c'est lui qui était innocent. C'était le jour de vendredi, le sabbat allait commencer. Cela n'a pas empêché que le Fils de Dieu soit vraiment crucifié. Les femmes qui voulaient embaumer les corps de Jésus, elles retournèrent à la maison pour vouloir préparer le sabbat. Mais voilà.